Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah, on a eu un sacré coup de fraîcheur cette nuit, avec un ciel bien clair, un petit coup de moins 2. Alors j'espère que vous allez bien. Là, et oh, en faisant une petite balade, j'ai vu un beau gros tas de fumier. Et Camille, un ami, un bon petit coup de fumier de cheval. Alors je voulais vous faire voir un petit peu, et on va parler un petit peu de fumier les amis, si ça vous dit, hein. Regardez, tous les arbres fruitiers sont en repos végétatif, autrement dit là il n'y a plus rien qui bouge, là il se repose. Il y a encore quelques pommes là qu'on va laisser pour les oiseaux, hein, et on va aller faire un petit tour du côté de notre beau fumier récupéré. Alors, je sais pas si vous le voyez, les amis, mais bon, il va peut-être fumer un peu. Alors, vous voyez, c'est un fumier de cheval, et c'est un fumier de cheval frais. Alors ça, c'est important, et je vais le déposer dans la serre. Alors, les amis, vous voyez, c'est un fumier frais. Alors, vous savez, quand c'est un fumier frais, comme ici, là, les amis, ce qu'il faut surtout veiller, vous voyez, c'est le fumier frais. Le désavantage, c'est que vous devez absolument l'étaler sur votre jardin, et vous allez devoir le laisser au minimum, je vais dire, un mois en surface. Parce que le fumier frais, je vais vous dire, regardez, il dégage de la chaleur. Et vous savez une chose qui est très important, c'est que le fumier frais est nocif pour vos plantes si vous le mettez frais et vous l'emmagasinez dans votre jardin, vous le mélangez bien, il va dégager des substances nocives pour les plantes, et il risque en plus de brûler vos racines. Donc le fumier frais, il faut le laisser au moins, au minimum, un mois en surface. Voilà, regardez. Voilà. Alors ici, j'avais déjà mis un petit peu de fumier de vache. Et là, c'est un fumier de cheval. Un fumier de cheval, c'est un des meilleurs fumiers. C'est un des meilleurs fumiers très équilibrés. Voilà, regardez. Alors, c'est un fumier vraiment fantastique, vous voyez, hein. Regardez, il y a même de beaux vers ici. Et il est encore chaud, hein, les amis. Il est encore chaud. Voilà. Alors, je vais vous dire, une dizaine de centimètres comme ça en surface, hein. Et bon, là avec le fumier de vache, ça sera largement suffisant, hein. Alors sachez que le fumier, donc frais, surtout vous le laissez un mois en surface. Ensuite, vous allez pouvoir travailler votre terre. Alors qu'est-ce que vous apporte la paille? La paille vous apporte du potassium, un bon potassium. Voilà, ce côté-ci, ça me paraît pas mal. Voilà, on part un peu là-bas. Voilà, donc on va le laisser. Voilà, les oies, on va le laisser un mois ici, tranquille, les amis. Hein. Voilà, donc je vais en mettre le reste là-bas, dans le fond de la serre. Alors, la paille apporte du potassium, hein, le fumier fertilise votre terre, hein. C'est un des meilleurs engrais, et donc la chose la plus importante, comme c'est du frais, surtout on le laisse en surface un mois, le temps qu'il jette son feu. On dit qu'il jette son feu, hein. Voilà les amis, hein. Alors tout ce que vous mettez dans votre jardin maintenant va jouer sur votre production de légumes, les amis. Voilà, regardez. Allez. Alors, voilà. On met de la bonne bouffe. Alors, on met de la bonne bouffe. Qui est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a toute l'équipe.
Il y a toute l'équipe qui arrive, voilà. Hein. On met de la bonne bouffe, il y a toute l'équipe qui arrive, les amis. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Bon, il me reste encore quasiment la moitié. Donc, je vais aller jeter ça de ce côté là-bas. Je vous embrasse bien fort. Plein de joie, plein de bonheur. J'espère que vous avez bien protégé vos artichauts, vos arômes. Parce que ici, ça va être le moment janvier, c'est le mois quasiment le plus froid ici dans le nord, dans le Béthinois. Janvier un petit peu février aussi. Allez, à bientôt les amis. Ah, ça cherche, ça cherche. Bon, Snoopy, je sais pas où il est. Hein. Allez, à bientôt et on se retrouve le 24 certainement. Je vous ferai un petit coucou.